Bonjour, c'est Madame Morgan. Aujourd'hui, nous faisons un petit point sur les accents. L'accent aigu tout d'abord. Il permet de faire le son « et » comme dans « éléphant ». Retiens « et » comme dans « épée ». Aigu. Quand doit-on mettre l'accent aigu? Eh bien, dès qu'on veut faire le son « et ». Éléphant, étrange, étoile, aider, élégant, liberté, épreuve. Tous des accents aigus. Mais attention, dans certains cas, on n'a pas besoin de l'accent aigu. Marcher, danser, chanter, parler, boucher, boulanger. Il n'y a pas d'accent. Quand le mot se termine par ER, on a le son E, sans ajouter d'accent aigu. Chez, danser, voler, parier, aller, assez. Ben, il n'y a pas d'accent non plus. Quand le mot se termine par Z, on a le son E sans ajouter d'accent. Pied, casse-pied, acier, trépied. Il n'y a pas d'accent non plus. Quand le mot se termine par ED, on a le son E sans ajouter d'accent aigu. On a compris! Voilà, j'espère que ça t'a aidé. À bientôt!